en Haïti ou à l'étranger, quel que soit côté où vous suivez RTCH Info pour ce maintenant. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi à c'est mardi 27 février 2024, c'est deuxième édition RTCH Info pour ce maintenant. Mais quel point cap dominé actualité. Coordonnateur général Front National Organisation Résistance pour Haïti et Stable Acte Démocratique, Rosemont Jean, minimiser mandat commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, lancé contre lui à cause complot contre l'État, incitation à la violence acte association malfectaire. Selon Rosemont Jean, mandat ça pas fait bac dans mobilisation contre pouvoir en place là. Et stricti politique chemin délivrance Haïti mandé à travers une correspondance protecteur citoyen pour intervenir bon côté gouvernement en place là pour prendre chemin la justice suite à un scandale diri contaminé américain yo. Selon chemin délivrance Haïti, office protection citoyen doit défendre citoyen yo. Premier ministre Antigua ak Barbuda Gaston Bo n'a fait qu'on à lundi 26 février 2024 là. Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry a doué quitter pouvoir pour permettre une transition politique qui a facilité une solution haïtienne. Selon Gaston Brown, chef gouvernement haïtien pa gen légitimité. Coordonnateur général Front National Organisation Résistance pour Haïti et Stable Acte Démocratique, Rosemont Jean, minimiser mandat d'amener commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, Maître Edler Guillaume, lancé contre lui à cause incitation à la violence, complot contre l'État et association malfectaire. Dans l'occasion, Rosemont Jean, qui longe doit être sous commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, comme Moun Lidi qui impliqué dans mauvaise affaire, fait qu'on ait mandat d'amener à qui politique, pas fait lui faire bac dans mobilisation pour chavirer équipe en place là, Lidi qui n'est pas fini ak pays d'Haïti. Groupement organisé pour changement Haïti, Gauche Haïti continue à plaider en faveur mise en place un nouveau gouvernement transition pour remplacer gouvernement Ariel Henry qui selon président et strict politique si là maître Wilfried Michel pas gain légitimité pour peuple haïtien depuis 7 février passé là. Dans occasion maître Wilfried Michel critiquait police nationale d'Haïti qui a fait répression pour craser toute mobilisation contre pouvoir en place là. Dans l'occasion 46e réunion chef l'État à gouvernement dans CARICOM à lundi 26 février 2024, là, Premier ministre Antigua et Barbuda Gaston Brown déclaré Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry t'a dû quitter pouvoir pour permettre une transition politique qui a facilité une solution haïtienne dans la crise qui a brassé le pays d'Haïti depuis plusieurs années. Gaston Brown qui t'a parlé avec plusieurs journalistes pas passé par quatre chemins pour faire comprendre Ariel Henry pas capable de solutionner la crise là parce que il fait partie problème là. Selon Gaston Brown, chef gouvernement haïtien pas gain légitimité pour prendre décision dans non peuple haïtien. Pays Bénin qui trouvait dans l'ouest continent Afrique là proposé pour voyer 2000 soldats dans force multinationale sécurité qui t'a de déployer en Haïti pour aider police nationale d'Haïti à combattre gang yo. Selon déclaration ambassadrice États-Unis dans Nations Unies Linda Thomas Greenfield qui a participé dans 46e sommet CARICOM dans Guyana côté premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry présent. Nous avons souligné à côté Bénin plusieurs pays tant que Bahamas, Belize et Jamaïque proposé pour voyer soldats et policiers dans la force multinationale là, pays Kenya t'a doué diriger. Organisation politique Chemin Délivrance Haïti non lettement des protecteurs citoyens maître Renan Edouville pour intervenir bon côté gouvernement en place là pour prendre chemin la justice suite à un scandale diri contaminé américain yo. Selon parti politique là organisation défense droit moun yo et spécialement office protection citoyen capable jouer un rôle dans protection chaque citoyen. Nous arrivons à un point pour nous mettre en bout avec la deuxième édition RTCH Info pour semaine là. Mais avant de nous aller, rappel Titio. Coordonnateur général Front National Organisation Résistance pour Haïti et Stable Acte Démocratique, Rosemont Jean, minimiser mandat commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, lancé contre lui à cause complot contre l'État, incitation à la violence et association malfectaire. Selon Rosemont Jean, mandat ça pas fait bac dans la mobilisation contre pouvoir en place là. Et strict politique chemin délivrance Haïti mandé à travers une correspondance protecteur citoyen pour intervenir bon côté gouvernement en place là pour prendre chemin la justice suite à un scandale diri contaminé américain yo. Selon chemin délivrance Haïti, office protection citoyen doit défendre citoyen yo. C'est point ça yo avec divers lot nous te développé pour dans journal là. Merci pour fidélité yo. Ou capable de suivre Radio Télé Conscience Haïtienne sur différentes plateformes tant que Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Bonjour, bonsoir tout le monde.